Je voudrais, monsieur le président de la délégation spéciale, messieurs les membres du bureau fédéral, vous dire que je suis satisfait. Satisfait de savoir que Pita reste un bastion imprenable de l'UFDG. Pour rester et demeurer sur le chemin tracé par Bob Mamadou, le doyen courageux, intelligent, qui a ouvert la voie de la démocratie et de la vérité à notre pays. Monsieur Bob Mamadou, qui m'a choisi pour diriger ce parti, était un visionnaire, pas parce qu'il m'a choisi, mais parce qu'il a toujours osé défendre la vérité et la justice partout où elles étaient menacées. Il m'a instruit de continuer le combat avec l'UFDG, sans jamais accepter les compromissions. Et je suis fier de constater que Pita est resté fidèle à ses engagements pris en 2007 de me soutenir lorsque Bob Mamadou m'a donné la direction de son grand parti. On m'a dit, attention, Alpha Condé et ses alliés sont en train de s'installer à Pita. Et les gens m'ont rappelé, si Pita est né, ma Mediabi, rêve Mediabi, ça y est, y'a pas de l'ami, Ardi, à toi et Pita, nos cadiabos de Wonatalon. Aujourd'hui, je n'ai aucun doute que l'UFDG va l'emporter, non seulement dans la commune urbaine, mais sur l'ensemble des communes rurales de la préfecture de Pita. Alors, surtout Alpha Condé et ses alliés, ils n'ont pas leur place ici. On a l'air d'un 2010, on a l'air d'un 2013, on filitique 2015, mais les années 2018, 2019 et 2020. Lagina Vona, Lady Gonga, Lady Saria, Lady Kahasi da Koala, Kakol Dangala, Kahegala, Kakama Onfo, comme un fala, comme un iho, l'ennol kawyalti wo, parti kawoni wo, yotrao, ni modadi, ni modandi, ni modedi, ni mosuri, fanama obona. Et comme Pita mène ce combat depuis longtemps, Pita n'a pas commencé ce combat avec l'UFDG.
Il a commencé pendant la colonisation. Il y a eu des résistances individuelles ici, célèbres, qui n'ont pas été suffisamment organisées. Mais putain, résister à la colonisation et à la féodalité. C'est plus l'indépendance, plus la résistance à la dictature, avec l'avènement du multipartisme, sous la direction du Diallo Mamadou. Putain, c'est hissé au sommet de ceux qui ont refusé la dictature et qui ont œuvré pour l'avènement d'une société plus juste dans notre pays. La Guinée sera reconnaissante à Pita pour son courage, pour sa bonne sens, pour sa loyauté, par rapport à ses valeurs, aux valeurs de justice, de démocratie, de paix et de fraternité entre les fils de ce pays. Vive Pita, vive l'UFDG, nous sommes convaincus que nous vaincrons. Mais attention, Alpha Condé et ses alliés n'ont plus de partisans. Ceux qui les avaient soutenus jadis sont découragés. Ils sont décidés de sanctionner Alpha Condé et ses alliés par l'abstention. Nous leur disons non, il ne faut pas sanctionner Alpha par l'abstention. Il faut venir voter pour l'UFDG. C'est la meilleure voie de sanctionner Alpha Condé et sa montée. Vous avez déjà, en 2010, en 2013, en 2015, voté massivement pour l'UFDG. Maintenant, voilà 7 ans qu'Alpha divise notre pays. Aggrave par ses politiques, par ses incohérences et ses maladresses, par la corruption au sommet de l'État, il est en train d'aggraver la pauvreté et la précarité. Les Guinéens souffrent, c'est le moment de le sanctionner par les urnes. Allez voter massivement l'UFDG pour conserver la totalité des conseils communaux de la préfecture de Pita. Et à cet égard, je sais qu'on peut compter sur vous. Et les Alpha et ses alliés, les Itoli, UFDG, Kotoli, Yen Bong, Yuan Adan de Nehisibirde, Adunay Lakara, Wassalam.